Suivant avec sérénité la publication des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou, sur la chaîne nationale. Au sortir de cette séance, le président fédéral du Parti Congolais du Travail s'est réjoui de la sérénité avec laquelle la population de Pointe-Noire a reçu ses résultats. À travers ce vote, le président Denis Sassou Nguesso est largement en tête, sans flétrissure, sans, on va dire, contestation. Parce que ce sont des résultats sortis des urnes. Nous ne pouvons qu'être que heureux de voir que notre candidat arrive en tête, largement en tête, sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons pour cela aussi féliciter tous les militants de la majorité présidentielle qui ont concouru à ces résultats. Mais aussi, nous n'allons pas oublier la population qui, de façon unanime, s'est levée malgré les problèmes d'organisation, malgré certains problèmes administratifs qui se sont levés pour aller, aller à ce suffrage et choisir le candidat Denis Sassou Nguesso. Notre démocratie a démontré une fois de plus que le peuple congolais a atteint un degré de maturité, a-t-il ajouté. Tout Pointe-Noire est calme. Cela nous rassure de ce que cette élection se soit passée dans les meilleures conditions. Et nous allons exhorter les populations de Pointe-Noire à continuer à observer ce calme, cette sérénité, parce qu'en fait, il s'agit pour cette élection d'un moment de respiration de notre démocratie. Et notre démocratie a démontré une fois encore que le peuple congolais avait atteint un degré de maturité tel que l'élection ne serait pas un moment de troubler la paix, de troubler la cohésion nationale. Il a par la suite félicité le calme qui a régné pendant ce scrutin.